mettre ici, ça me rappelle au début que j'ai commencé ma chaîne. Ça fait trop bizarre, quoi. De fou. Il te fait un de ces temps de merde. Vive la Haute-Savoie, quoi. Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ceci. Une routine capillaire, car on me l'a beaucoup demandé. Donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Mais bon, moi, c'est pas du luxe, hein, je vous préviens. Alors on y va, c'est parti. Donc on va déjà commencer sur la couleur et la décoloration que j'achète en grande surface. Bon, celles-ci, je les avais achetées cet été quand j'étais en vacances et je les ai achetées au Pertus. Ça, c'est la décoloration que j'utilise depuis un bon bout de temps. C'est la Garnier Olia, la décoloration. Voilà, qui est comme ceci. Bon, là, c'est pas écrit en français, c'est écrit en espagnol. Ça fait un moment que je suis sur la Garnier, la numéro 111, Belle Color. C'est un blond très très clair, cendré. Mais d'ici peu de temps, je pense que je vais changer, que je vais retourner à la Stockholm parce que le cendré commence à me courir sur le haricot. Alors, je vais commencer par une gamme déjà que j'ai achetée, ça fait déjà quelques mois. C'est la marque Oblepica Siberica Professional, qui est comme ceci. C'est des soins que vous trouvez chez Monoprix. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres magasins qui les commercialisent. Mais franchement, ceux-là, ils sont super. Moi, j'ai payé à peu près 7 euros et quelques chacun. Bon, c'est un petit peu cher. Mais bon, ils font vraiment leur job. Le seul hic, c'est que le produit est jaune à l'intérieur. Autant dans l'après-shampoing que dans le shampoing. Donc pour le platine, c'est quand même pas trop conseillé d'utiliser des shampoings qui sont entre guillemets colorés, parce que ça jaunit le cheveu, surtout le blond platine et le blanc. Mais franchement, ils font super bien leur job, pardon. Là, c'est nutrition et réparation, effet lissant. Ils gainent le cheveu, restaurent la structure du cheveu abîmé, enrobent la fibre capillaire, etc. etc. Je ne vais pas en faire un blabla, je vous en ai déjà parlé dans mes top flops et favoris de je ne sais plus quel mois. Ils sont vraiment top. Ensuite, un autre duo shampoing après shampoing. Alors là, le shampoing, il est blanc. Hein. C'est de la marque Garnier, c'est les Ultra Doux. Le shampoing doux apaisant, délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine pour cheveux délicats, sans parabènes, extraits naturels, etc. etc. qui sont comme ceci. Ils sentent super bon. Les autres là aussi sont super bons, quoi. Ça a l'air gousier les autres. Mais ceux-là, ils sentent super bon. Et franchement, ça agresse pas trop mes cheveux, donc franchement c'est super. Moi qui ai les cheveux fins et quand même assez abîmés au niveau des longueurs et des pointes dues aux décolorations, franchement cela c'est pour un petit budget. Si vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans des shampoings et après shampoings, je vous conseille cette gamme là parce qu'ils sont vraiment topissimes et ils ne vous jauniront pas les cheveux du tout, vu que c'est des shampoings et après shampoings qui sont blancs. Ensuite, un shampoing, moi, qui est indispensable pour moi, parce que des fois, j'ai les cheveux, ça commence à jaunir ou quoi, donc j'utilise ce shampoing-là. C'est un shampoing violet, pour tout simplement pour déjaunir les cheveux. Il est comme ceci, c'est un L'Oréal professionnel. Il est très 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 fort. C'est le Silver Gloss Protect System. Voilà, il est comme ceci. Alors il est vraiment, quand je vous dis qu'il est violet, il est vraiment violet. Et surtout, pas de bêtises avec, parce qu'il déjaunit grave. Il rend presque bleu les cheveux d'ailleurs, voire violet, gris. Il porte bien son nom niveau silver, ça c'est clair et net. Après, il faut bien le répartir dans les cheveux parce que sinon ça va vous faire des taches. Moi, ça m'est arrivé au début que je m'en suis servie. Ça fait des lustres et des lustres et des lustres que je m'en sers. Et franchement, je ne pourrais plus m'en passer de ce shampoing. Il est vraiment bien. C'est vrai qu'après, il est un petit peu cher, certes. Mais franchement, quand vous êtes platine, voire blanc, voire gris, franchement je vous conseille ce shampoing là, il est vraiment top. Ensuite, un produit tout bio,
tout naturel, sans cochonnerie dedans. Top, top, top. Je vous parle de l'huile de coco vierge, bien sûr. Moi, quand j'ai les cheveux qui commencent à être sales ou quoi, je fais un masque sur mes longueurs et mes pointes avec cette huile. Vous voyez, elle est solide. Hein. Elle est solide. Hein. C'est pas comme de l'huile d'olive ou de tournesol ou de n'importe quoi. Enfin, bref, vous en prenez. Vous n'avez pas besoin d'en prendre une tonne, quoi, une poignée. Vous en prenez vraiment un petit peu et vous faites à partir de là jusque aux pointes. Et franchement, vous laissez poser. Moi, je le laisse poser une demi-journée. Soit je le fais le matin et je rince à midi, soit je le fais vers 13h et je rince le soir. Et franchement, ça fait trop du bien à mes cheveux, quoi. Et puis ça revient moins cher qu'un masque acheté en magasin qui coûte une blinde et qui, vous savez même pas ce qu'il y a dedans, quoi. Franchement, ça, c'est le top du top. Je vous le recommande, franchement. Et en plus, cette huile-là, moi, j'utilise celle-ci parce qu'elle nourrit mais un truc de malade. Elle fait les cheveux tout doux et puis elle ne jaunit pas les cheveux. Cette huile là, si vous utilisez l'huile d'argan quand vous êtes platine, l'huile d'argan ou je sais pas, n'importe quelle huile, l'huile d'olive, parce qu'il y a beaucoup qui utilisent l'olive, ça va vous jaunir les cheveux. Et celle là elle ne jaunit pas du tout les cheveux, elle les rend super doux, ils sont vraiment nourris et tout. Franchement, je vous le recommande. Ensuite, le soir, c'est un soin sans rinçage. Moi, je le mets avant d'aller au lit ou après la douche, quand je me suis bien démêlé les cheveux, etc. Je pose ce produit. C'est un soin reconstructeur pour cheveux abîmés, Vigorance Repair, de la marque Yonsei Professional. Alors moi, je l'ai trouvé... Non, j'ai eu un échantillon, j'ai testé, j'ai adoré de fou. Et j'ai décidé d'acheter le full size. Et franchement, je suis vraiment pas déçue. Il a la kératine et au jojoba. Il sent super bon. Le seul petit hic que je dirais, mais franchement, ça pose pas de soucis aux platines, c'est que le produit, il est un petit peu vert d'eau. Je sais pas si vous verrez bien là. Vert d'eau, vert gris, mais très 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 clair. Et mais ça pose pas de soucis. Il se met super bien dans les cheveux. Moi, je sais que quand je le pose le soir, le lendemain matin, ça sent encore. Franchement, ça met les cheveux bien, bien doux, bien lisses, bien tout ce que tu veux. Franchement, il est super top. J'ai payé ce produit, je l'ai acheté sur Cdiscount et je l'ai payé 12 € et quelques, je crois. Franchement, et puis franchement, ça fait des mois que je l'ai et il est encore archi plein. Je crois qu'il est aux 3/4. La bouteille, elle est en fer, je vois pas où c'est qu'il en est le produit. Mais franchement, je vous recommande ce produit. Il est vraiment topissime. Bon, après, c'est assez rare quand même que je me sèche les cheveux au sèche-cheveux ou que je me lisse les cheveux au lisseur, que je me fasse des brushings, etc. C'est assez rare. En principe, je me lave la tête le soir ou le matin et puis je laisse sécher naturellement. Il n'y a rien de mieux pour avoir quand même des cheveux en bonne santé. Parce que bon, le séchoir, etc., c'est pas... Ça abîme vraiment la fibre capillaire, ça c'est clair. Mais des fois, ça m'arrive quand je suis à la bourre ou quoi, je prends le sèche-cheveux et je me sèche les cheveux. Mais avant, j'applique ce produit qui est de chez L'Oréal. C'est le Elnett Satin. Alors c'est un spray coiffant protection 230 degrés, lissage 3 jours. Ça c'est des conneries, vous n'avez pas les cheveux lisses pendant 3 jours. J'ai pris celui-là parce que je sais que L'Oréal, Elnett, ils font, c'est vraiment des bons produits quoi, il n'y a pas à dire. Après lissage 3 jours, tu oublies, tu n'as pas les cheveux lisses pendant 3 jours, moi je te le dis. Ça c'est clair. Donc moi j'ai pris celui-là parce que franchement il est bien. Après il coûte je crois... 6-7 €, je sais plus, en fait moi je l'ai payé ce prix là à Casino. J'en suis contente malgré tout parce que bon, il est encore plein de chez plein, parce que comme je vous ai dit, je me lisse pas les cheveux tout le temps et je me sèche absolument, voire pratiquement jamais les cheveux. Donc mais avant, j'applique ceci vraiment avant d'utiliser le séchoir à cheveux.
ou le lisseur. Ça, c'est vrai que franchement, j'ai pas envie que mes cheveux après ça soit de la paille, donc j'utilise ceci. Donc voilà pour ce qui est ma routine capillaire de en ce moment. De toute façon, c'est vraiment les produits que j'aime beaucoup. Je suis vraiment pas déçue de ces produits. Ça fait vraiment un bon bout de temps que j'utilise ces produits-ci. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions à me proposer. Si vous avez... Je vais pas y arriver. Si vous avez des questions à me poser concernant ma routine capillaire ou quoi, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos petits pouces si des fois la vidéo elle vous plaît. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, fais-le maintenant. Ça me ferait super, super, super plaisir. Je remercie mes 330 abonnés aussi. Je le dis jamais, enfin je n'y pense pas. Je vous remercie, vous êtes vraiment adorables. Je remercie les likes que vous me laissez ainsi que les commentaires qui me font toujours super plaisir, chaud au cœur. Pour ceux qui n'aiment pas mes vidéos, eh ben, ça me passe, tu vois. Ça me passe au-dessus. Voilà, moi je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.